Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Et voilà, je viens de terminer la première formation sur l'apprentissage de Blender 2.83 LTS. Alors cette formation, en fin de compte, sera décortiquée en différents modules. Le premier module sera le module 0. Je vous montrerai tout à l'heure comment y accéder. C'est le module 0 qui sera donc dédié aux débutants et débutantes. Je ferai en sorte de vous expliquer vraiment les bases. Comment l'installer, comment se déplacer dans la vue, qu'est-ce que c'est qu'un vertice, un edge, une face, et ainsi de suite. Bien évidemment, le but de cette formation sera de vous expliquer différentes techniques pour créer des objets simples. Si on regarde au niveau de ma chaîne YouTube savoirpourtous.eu, on va accéder ici à deux solutions. Soit vous faites ça, soit vous cliquez ici sur Blender 2.8 et vous allez accéder à ça. Ici, vous aurez donc différentes informations pour accéder à mes différentes playlists, mais ce qui va nous intéresser, c'est ici, formation. En cliquant sur ce lien, vous allez accéder au site web frtuto.com où vous pouvez trouver ma formation qui est à 5 euros. Comme je vous dis, l'intérêt, c'est que je vais vous expliquer comment créer ce genre de choses. Et comme je vous dis aussi, c'est vraiment dédié aux débutants et débutantes. Quoi qu'il en soit, à la fin, on arrivera à ce genre de choses. Vous voyez, j'ai créé une salle de classe où vous pouvez, tout simplement, avec ce que je vous aurai expliqué au niveau de ma formation, donc du module 0, vous pourrez créer ce genre de choses. Bien évidemment, tout ce que j'ai créé au niveau des objets, j'ai fait en sorte de vous les donner au niveau du module ressources. C'est tout à fait normal. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est comme je dis, ça va être un très gros module. Pour ceux et celles qui me suivent sur ma chaîne YouTube, vous allez vous apercevoir que tout ce que je vous ai enseigné, tout ce que je vous ai appris, j'ai fait en sorte d'écouter toutes les critiques, les remarques et ainsi de suite pour créer quelque chose d'encore plus complet. Vous aurez encore plus d'objets, vous pourrez récupérer plein de choses. Alors soyez patient, évidemment, parce que si vous n'êtes pas débutant ou débutante, ça risque de ne pas vous intéresser. Par contre, si vous voulez faire un geste pour m'aider, allez-y, il n'y a pas de problème, ça serait cool. Mais quoi qu'il en soit, je vais vous expliquer plein de choses. Regardez par exemple, si je vous prends par exemple au module 1, on verra tous ces outils. On va les décortiquer un par un. Et à chaque fois, je ferai en sorte de vous créer un objet pour vous montrer ce qu'on peut faire avec. L'intérêt, c'est que vous puissiez créer n'importe quel objet avec l'outil que je vous aurai expliqué. Vous verrez, ah bah tiens, je veux créer ça, ah super, je connais cet outil, et ainsi de suite. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette formation vous plaira. Je vous dis donc, à tout de suite.